Salut! Coucou les loulous! On se retrouve pour un nouveau retour de course ce lundi. Eh oui, nouvelle semaine. Nouvelle course. Ah, là, il y a du soleil, enfin, parce que putain, les nuages, oh, je croirais à Londres presque. On est dans le vent, quoi. Je serais que à Londres. Quand même, ça va. Il y a pire. Il y a Paris. Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons mettre l'intro, mais avant de mettre l'intro, profitez pour vous abonner. Ici, là, en cliquant. Et puis, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, et à mettre la cloche de notification. Pour ne rien manquer. Voilà. Et un petit like. C'est nickel. Hein? Parfait. À de suite. À de suite. Retour de course. Ouais. Donc on a le lait comme d'habitude à 3,96€. Pour les prix, je sais pas, vous avez sur mon. Voilà. Par là. Le papier toilette 2,06€. Ensuite, donc, par terre, il y a des pommes de terre 3,99€, mais plus de 3 ou de 4 kilos. Mais c'est trop lourd pour madame. Je les ai montées dans l'escalier là. Et sorti de la voiture. Nous n'avons pas d'ascenseur. Les étages. Continuons. Là, on a un paquet de pain de mie à 1,15€, je crois, ou 1,17€, mais il y en a deux. Et là, je crois, des poivrons. Des filles, parce qu'on a aussi des céréales. Des poivrons pour le risotto. Ouais, ça c'est pour le risotto. Là, j'ai repris des petits biscuits aux œufs, ces petits boudoirs. Ça, moi j'aime bien et les filles elles aiment bien aussi. On va faire un bœuf bourguignon. Alors, du coup, on a pris de la viande bovine. J'ai repris des petits goûters comme ça. J'ai repris des éponges pour me gratter. Voilà, les éponges grattantes, hein, tout ça. Un velouté de poireaux pommes de terre. On a pris un petit format parce qu'à chaque fois, une grosse brique, il en reste. Donc, je me suis dit, t'as qu'à faire. Ça, c'est pour la nouvelle recette. Tu as filmé? D'accord. D'accord. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, la nouvelle recette. Je vais allumer. Ouais, plutôt. La nouvelle recette, ce sera les muffins. Voilà. Fourrés au chocolat. Ici, alors, on a c'est quoi ça? La levure boulangère pour le pain. Parce qu'on nous refait le pain. Et ça va servir pour leur... Oh, pour plusieurs choses. Il va y avoir le pain, les pains burgers. Il va y avoir... Non, mais il n'est pas encore là. Oui, non, mais... Bon, il va y avoir les pains burgers, les... Comment t'appelles ça, là? Les pains... Pour Gouchette, voilà. Ouais. Non, ça, c'est des princes, ça, parce que bon. Madame, je repasse aux princes, ça y est. Des œufs. Parce qu'il va y avoir besoin, ça aussi. Ouais, je vais en avoir beaucoup besoin. Alors, il veut un burger qui. Et là, il y a le soleil qui revient. Il va les faire, parce qu'il sait les faire. Donc, on a la sauce burger, mais il a pris le concombre. Oui, c'est pour mettre un petit peu aussi dans l'assiette. Les poireaux, ça c'est pour la quiche poireau feta. Et je vais faire aussi les frites maison. Les pâtes à quiche. Les pâtes à quiche aussi, les frites maison. Là, il y en a deux, je ne sais pas s'il est passé. Non, il n'est pas passé, il y en a deux comme ça, des pains au chocolat. J'ai repris 4 steaks hachés, charal comme ceci. Là, les steaks hachés, c'est avec... Non, je faisais un burger, les steaks hachés. Ouais. La courgette, alors 93 centimes la courgette, ils se font pas chier à vite. Hein. Là, on a de la viande hachée, ça c'est juste pour ça. Boulette. Il y a boulette et un autre pour la bolognaise, je crois. Lasagne. Des tomates à 2,28 pour 774 grammes. Ça va encore. Des bouts de jambon, je vais reprendre plus que le format maxi format parce que il n'y a rien. Là, nous avons une crème de Saint-Agur. Ça, c'est pour... va mettre sur les brochettes. Voilà, exactement. Chérie s'est repris de la sauce pomme de spéciale pomme de terre à la crème
fraîche de Normandie et à la civette. Ça doit pas être mauvais, ça. Ouais. Du nappage au chocolat. Alors, l'huile de vainé. L'huile de tournesol, le sel changé des bananes du Bruxelles, là, elle est à 1 euro. Elle est 1,80€, 1,88€ et avec la carte, elle est passée, je crois, à 1,20€, 1,30€, quelque chose comme ça. Ici, nous avons du bouillon à pot-au-feu. Ah là, on a repris les sauces panzani, on a repris la volo classique, parce qu'il va y avoir des spaghettis verts, des spaghettis sarrasins, donc on n'a pas repris. On a pris les ganaches pour faire des boulettes. Et on a pris une aussi, ça c'est la sauce qu'on va mettre avec le roquefort, c'est ça? Mais non. Non, c'est pour le risotto. La sauce carbo pour le risotto. Ouais, on va essayer, on va tester une nouvelle recette. En fait, en général, c'est des bonnes sauces. Ici, nous avons de la levure chimique. Ainsi que du poulet cradilège, farci. Et on a repris de l'huile d'olive. Mais non, toi, c'est pas mauvais. Ah, mais la carapéni. La carapéni, c'est la meilleure. Le deuxième pain au chocolat. Les gaufres de liège. Elles sont déjà entamées. Voilà. Ah, ben la deuxième vient lâchée. Là, c'est là, on a 350. Un ou deux. Un sucre. Tu n'as écrit deux? Non. Non, tu m'as fait poser l'autre parce qu'il était perçu. Mais j'avais une montre dans l'autre. Ah non. Mais si. Mais non. C'est pas grave. Farine, il y en a trois. Parce qu'il y a beaucoup de préparation qui va être maison. Du sucre en morceaux. Oui, ça faut pour le café. Des petits yaourts au lait entier à la vanille par 8. Est-ce qu'il est vraiment entier le lait? Avec la vache et tout. Ça rentre dans les poules. Ici, nous avons des aiguillettes volandouilles. De poulet. Les sacs poubelles. C'est pour quoi faire les aiguillettes? C'est pour le risotto. Ah, du fromage à hamburger. On ne le fait pas encore nous-mêmes. De la purée. Bien que si vous voulez la recette pour faire du vrai fromage, style boursin ou style feta, vous avez quand même dire en commentaire si vous êtes OK. Et puis ensuite, on fera. Et moi, tu ne la fais pas, alors, la feta. Ben, je sais pas. Le flan. Je pourrais la faire. Par 16. Effectivement, je pourrais la faire. Bah oui. Rôti de porc par 8. Et la crème fraîche. Et la crème fraîche. Vas-y, prends. Ensuite, là, on a de la bûche de chèvre. Ça, c'est pour les quiches. Les petits pois carottes. Et un petit couvermier. De notre jardin. Pas le nôtre, mais enfin. C'est tout comme, hein, pareil. Leclerc, c'est notre maison. J'ai envoyé des croquettes pour Tony parce que vous avez pris les divers pas. Donc je suis resté du cinéma. La leur sûre. Ça, c'est Nesquik. Mm-hmm. Une deuxième crème. Ah, il est là ton deuxième sucre. Ah, il est là. Du beurre et cocus. Parce que moi, je lui ai demandé lequel il voulait, c'est lui que je suis là. Ça, ça va être donc pour la quiche avec poire au feta. C'est toi la quiche. C'est moi la quiche. Hop, de mozza et cocus. Donc le deuxième, sucre. Ah, ça, c'est trop bon. Alors, je sais pas si vous avez déjà goûté les deux vaches. Ah, ils sont bons déjà. Mais que ce soit la vanille ou caramel ou chocolat, c'est la bombe. C'est la purée. Ensuite, on a des petites torsades. Ça va aller avec ça. Avec les dés de chorizo. Ça, c'est trop bon. Encore du pain de mie écrasé. Je sais pas, tu dois avoir un truc toi pour. Il était pas écrasé. Un don pour le pain de mie. On a pris des aiguillettes pour poulet rôti. Ça, ça va être avec des haricots verts. On va les mettre avec des haricots verts et des petites herbes. Du riz parfumé et toré. Ouais. Alors, je ne cultive pas encore le riz, hein, pour ceux qui pensent qu'on a ça à faire. Du riz à risotto. Franchement, celui-là, il est très bon. On avait testé le taureau ailé aussi, mais j'avais moins aimé. Donc, haricots verts et cocus, on avait. Il y a un sac. Je crois deux boîtes, non, c'est ça. Oui, il y a deux boîtes. Il y a deux boîtes. On ne peut pas les prendre frais étant donné qu'il n'y en avait pas à Leclerc. De plus, même s'il y en avait, ils sont beaucoup trop chers actuellement. Donc, étant donné que. Le but du retour de course pour nous, c'est de faire le moins cher possible et pour vous prouver que c'est possible de faire des bonnes courses. Ensuite, on a trop dépenser. Les tomates entières pelées, ça va être pour les pâtes au chorizo. On a pris une nouvelle boîte de chocolat. Ouais.
Chideli. Moi, je pense que ça doit être la même recette qu'il faisait avant. Le prenez quand on était encore celui-là. Si je ne l'ai pas caché, ou peut-être il y avait, je ne sais pas. Ben, boîte sur aussi, c'est pas possible. Ouais. Avec du fer et du zinc. Ensuite, on a des petites mousses liégeoises. Et là, c'est spécial pour les filles. J'ai repris direct au lait. Et des compotes. Et des compotes. Alors, la dernière fois, j'en ai goûté une le matin. Il a été malade comme pas possible. Mais ça a été direct. Hein. Un peu comme, je sais pas si vous avez entendu l'expression, manja kag. Charmant. Mmh. Charmant, chérie. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Alors, pour ce retour de course là que vous avez, donc on a pour une semaine de menu, pour le midi et pour le soir, parce qu'on fait plus un plat pour une journée. Parce qu'on a... Ouais, c'est moi qui ai décidé, parce que j'en ai marre. Donc là, on reprend les vieilles habitudes. De rationner. De plats. Donc, ça va. Hein. Ça a fait un peu plus cher. Ouais. Vous avez 153€. C'est correct. Oui. Bon, sachant ouais. qu'il va rester... Ça reste pas plus cher que ce qu'on faisait en course au final. Donc ça va. Ouais, c'est vrai que ça a augmenté ici, mais en vérité, c'est... On paye plus cher en course. Ouais, on paye bon, après, plus cher. On était sur une île. Bon, on va ranger parce que moi, il va falloir que je cherche les filles. Et que je fasse à manger. Voilà. Et la vaisselle. Voilà, que t'as pas fait, d'accord. Allez, je vous fais de gros bisous. Bisous à tous.